scrappeuses et les scrappeurs, aujourd'hui une petite vidéo bal concours. On est le soir, j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Donc voilà, c'est une vidéo bal qui me vient de Madame Villemain Claudine, du 88, Mauquemont, voilà. Donc c'est super joli, regardez, elle m'a mis des petites poules là. Et puis ici, elle a collé une bande, c'est très très joli. Puis une enveloppe, puis là derrière, je cache l'adresse, elle a mis en direct de mon atelier, puis elle a mis des petites fleurs. C'est très très beau. Alors, je l'ai ouvert, je n'ai pas regardé, mais je vais l'ouvrir. Oh là, oh, des perles de pluie. Alors, voilà. Oh, très joli. Le parle, moi j'aime beaucoup quand c'est bon. Voilà. Oh là là. Oh, la petite memory deck. Super jolie. Oh, c'est sympa. Je suis contente. Rien que d'avoir vu ce que je vois, je suis contente. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà sa petite carte qui est très très jolie. Sur un fond de carte, on va dire mauve, oui. Elle m'a fait. C'est dans ce sens-là. Elle m'a fait un arbre avec des découpes, des fleurs. C'est joli aussi, elle a fait une découpe de bordure. Et elle a mis des petits lapins. Et en haut, elle m'a mis trois petites fleurs, dont une qui est crochetée, qui est toute petite, qui est toute mimi. Avec une perle dessus, puis il a un petit papillon avec des perles. C'est super joli, merci Claudine. Attends, merci pour tes vidéos. Je suis en retraite, j'habite les Vosges, département 88. D'accord. J'espère que ça va t'aider. Ben, ça me plaît beaucoup. Hein. Ce que je vois me plaît beaucoup. Hein. Donc, je mets la carte ici. Alors, maintenant, on va regarder la Memory Dex, qui est très, très jolie. Très, très vintage. Ah, elle est super belle. Hein. Voilà. Je vais mettre voilà, mon petit truc derrière pour qu'on la voit bien. Donc, elle a fait une découpe, elle a prédécoupé là aussi. Elle a embossé dessous, c'est embossé. Ah, oh, c'est rigolo le papier. On dirait un rouleau de papier WC parce qu'il y a, un truc au milieu. Je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Mais moi, je les garde aussi pour faire des choses, mais j'ai encore jamais rien fait. Alors là, elle a mis une découpe qu'elle a un petit peu colorisée. Là, elle a mis un papier fin qui a dû être, je ne sais pas, soit colorisé au café ou au thé. Elle a mis deux perles métalliques. Là, elle a monté une fleur. C'est super joli. Là, un petit tag qui est très, très beau aussi. Puis là, une petite ficelle. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est super joli. D'accord. On a deux années d'écart. D'accord. N'aime pas les serpents. Moi non plus, j'aime pas les serpents. Les têtes de mort non plus. Le bleu, le fait main. Oui, ben le bleu, c'est ma maman qui aime bien le bleu. Mais bon, ma maman, aujourd'hui, j'étais la rentrée à l'hôpital. Donc, c'est pas top. Hein. Voilà. Cette vidéo, quand vous l'aurez, sera peut-être rentrée, j'espère. Hein. Voilà sa Memory Dex. Donc, je la mets ici. Alors, ici, elle m'a mis des créations qu'elle a faites. J'imagine. Elle a mis un petit papier dessous. Regardez. Ah oui, puis elle les a accrochés. Super. Elle m'a fait des petites... Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles, celles-ci. J'adore. Elle m'a fait des petites fleurs. Et puis des petites feuilles pour mettre dans mes créations. Écoute, Claudine, c'est super gentil. Je suis très, très contente. Hein. Merci, merci. Et là, elle m'a mis des perles de pluie. Alors ça, j'en avais jamais vu. C'est la première fois que je vois des perles de pluie. Alors, elle m'a mis des parmes et des transparentes. Oh, pour mettre, j'en vois qu'ils mettent sur des créations, ça rend super joli. Ça, c'est une très, très bonne idée. Merci beaucoup. Et là, elle m'a mis un petit mot. Alors, Memory Dex. Font fait à partir d'un rouleau de papier WC, j'avais raison. Elle l'a embossé, elle a mis diverses décos. Sa carte, c'est un fond de papier blanc autour avec une perforatrice. Quelques découpes et fleurs crochetées. En regardant les vidéos des scrappeuses, plus quelques petites choses faites main.
Je scrape depuis environ 3 ans. Ben, moi aussi, hein, j'ai commencé le 2 janvier 2017. 2018, 2019, 2020, voilà. Je couds, brode, crochette, tricot et divers bricolages. Ben, dis donc, t'en fais des choses. J'aime la nature, la forêt, le jardinage. Alors, le jardinage, j'ai pas la main verte. Et mon mari non plus, nous, on a de la pelouse. La marche, la piscine, le yoga. Alors, moi, j'aime bien la piscine, puis on a la chance d'en avoir une. Donc, ça, c'est génial. Le yoga, la récup, le fait main, la franchise. Je suis d'accord avec toi. Je n'aime pas les profiteurs, l'égoïsme. D'accord. Et je suis têtue, je suis vosgienne. Bisous à toi et à bientôt, Claudine. Merci, Claudine. C'est super gentil. Toutes ces petites choses-là, c'est... Oh là là, je suis gâtée. Hein. Voilà, donc je remettrai tout ça. Alors après, j'ai une deuxième enveloppe qui là me vient de Nantes. Alors Nantes, c'est pas très loin, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Ah oui, alors attendez, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est que j'ai oublié de noter son nom sur mon cahier. Je suis distraite. Voilà, donc ça sera la numéro 4. Je numérote mes enveloppes quand je les reçois. Donc, Villemain. Voilà, donc ça, c'est là. Après, ma prochaine enveloppe me vient de Lancy. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Marie-Louise, de Nantes. Peut-être l'adresse dira que... Parce que mon mari a travaillé... On avait un commerce au Palais, dans la banlieue de sud de Nantes. Et on allait sur Nantes en étayant aussi. Voilà. Donc... Oh, il y a des belles choses aussi. Il y a de jolies découpes. Alors, on va commencer par la carte. Oh! Et la Memory Dex, j'imagine qu'elle est dedans. Voilà. Très jolie Memory Dex. Oh là là. Alors, elle a fait un... Alors, c'est sur une carte, un fond de carte. Alors, sincèrement, j'arrive pas à voir si c'est blanc ou crème. Hein, parce que là, il est tard. Hein, il est 8h15. Et elle a fait des bandes. Alors, elle a mis un fond noir. Et après, elle a mis des bandes. Et elle a... qu'elle a colorisé. Donc, il y en a une rose, une jaune verte et une plutôt orangée. Après, elle est venue mettre des tamponnages de feuilles. Vous voyez, vert. Et elle a mis ses fleurs par-dessus. C'est magnifique. C'est très, très joli. Et là, elle a mis deux petites perles. Et ici, alors une dans chaque, en haut et en bas, et là elle en a mis deux. C'est super joli. Voici ma mère, quelques bricoles. Merci Marie-Louise, c'est super gentil. Donc là je vais mettre ça là. Alors la Memory Dex, elle l'a faite sur le thème de la mer. Oh, c'est super bien. Puis elle en a mis des épaisseurs, hein. Il y a 3 épaisseurs. Il est beau ton die. Alors elle a mis un coffre. Oui, on voit dedans, hein, il y a plein d'argent, ça brille. Il y a un petit poisson devant. Donc, elle a mis un papier, mais un peu gaufré, on va dire. Elle a mis une encre, un petit poisson ici. Alors ça, c'est un poisson qui est collé directement. Et celui-ci est monté sur 3D, ainsi que celui-ci. L'encre, et là, elle a mis un hippocampe. C'est super joli. Ah, très très jeune, je suis beaucoup plus vieille que toi, Marie-Louise. L'orange, ta couleur préférée, tiens donc. Bah, tu aimes Halloween alors. Elle aime le vintage et le scrap en général, bah oui, comme beaucoup. Et tu... D'accord, très bien. Qu'est-ce que j'ai comme nombre d'abonnés qui sont nés en novembre, c'est incroyable. J'ai pas regardé, je sais pas, là c'était quel mois? Ah oui, octobre là. Alors, regardez. Oh là là, c'est magnifique la colorisation. Hein. Oh, super joli. Je suis super contente. J'ai repris à lire il n'y a pas longtemps, parce que depuis que je scrape, je ne lisais presque plus, grâce à Nadra, de la boîte à idées de Nadra. Donc ben, maintenant, les marque-pages, ça seront les bienvenus. Voilà. Et puis là, elle m'a mis... oh là là, oh les papillons, qu'est-ce qu'ils sont beaux.
Elle m'a mis des découpes de papillons. Alors, je vais vous les montrer sur un fond noir parce que comme elles sont claires. Alors, elle m'a mis un très très gros papillon comme ceci. Voilà. Après, elle m'en a mis un autre plus petit, comme ça. Ils sont très très beaux. Hein. Et là, c'est un hibou. Oh, il est joli ton hibou. Là, un autre petit papillon. Super joli. Là, elle m'a mis des petits papillons, mais qui sont attachés. Là, pour mettre sur des cartes, c'est sympa, ça. Voilà. Elle m'en a mis un comme ça. Et puis un autre qui est tout près, qui est vintage là, qui est très joli aussi. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Oh, ils sont tous beaux, hein, mais j'aime bien. Voilà. Et il y a une autre poche. Voilà. Alors, regardez les magnifiques tamponnages de fleurs. C'est bien parce qu'on peut les coloriser après. C'est superbe. Ah oui, elle m'en a mis plusieurs, je suis contente. Hein. Moi, je les abîme par contre. Voilà. Elle m'en a mis 4. Hein. Non, 3. Regardez comme c'est joli. Ah, oh, c'est super beau. Hein. Voilà. Après, elle m'a mis 7 fleurs là. C'est marrant parce que dans les découpes, on voit plein de choses. Voilà. Regardez si elle est belle aussi, celle-là. Magnifique. Voilà. Oh, chouette! Oh, ça, c'est super aussi. Ah, je pense que là, j'ai ancré hier. Non, j'ai pas ancré. J'ai vieilli des pages au café dans l'intention de faire un jeûne, qui sera mon premier jeûne. Et je pense que ça, je vais le mettre dedans. Ça sera super beau. Et là, ben là, je vais pas vous les mettre. Hein, ça sera... Voilà. Elle m'en a mis des noirs aussi. Oh, c'est pas la même celle-là. J'arrive pas à voir. Ah si, peut-être, mais c'est parce qu'elle est, elle est pas... faut que j'enlève au petit picot. Alors là, elle m'en a fait une en blanc. Ça, c'est une très bonne idée, parce que ça, on peut les coloriser aussi. Ah, ça, je suis contente. Oh ben ça, je vais m'en servir. J'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Ça sera pour faire des cartes. Oh, je suis contente là, c'est super. Merci, merci. Et puis ici, elle m'a mis... Ah oui, ça s'ouvre en plus. Ah oui, pour mettre sur un album, ça peut être sympa. Ça fait comme une porte qui s'ouvre. Donc, on peut la mettre un peu en 3D. Ça, c'est pas mal. Hein. Et elle m'en a mis 2 en blanc. Oui, 2. Regardez. Ben, écoutez, c'est super sympa. Marie-Louise, je te dis merci. Et puis, ben, je sais pas, hein, peut-être que au salon Creativa de Nantes, on fera peut-être un petit rendez-vous avec mes abonnés. Pourquoi pas? Je sais pas si tu y vas. Je dis à bientôt. Sous une vidéo, tu peux m'envoyer un mail éventuellement. À bientôt. Au revoir les filles.